Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Zelda Skyward Sword HD. Donc on n'est pas sur une découverte. Ce que vous voyez, j'ai joué 2h41. Donc on va faire une petite vidéo. Et on va se balader tranquillement. Non, on range ça. On va se balader tranquillement. Donc, je ne joue pas à la détection de mouvement. Et donc, quand vous ne jouez pas à la détection de mouvement, ce qui se passe, c'est que vous utilisez le stick droit dans les diverses directions pour manier l'épée. Donc, faut s'y habituer un petit peu. Et même en 2h40, en gros, je suis pas encore totalement toujours à l'aise avec le truc. C'est un jeu auquel j'ai pas joué à l'époque. Par contre, faut que je regarde un petit truc. Ouais, parce que mon bouclier est presque mort. C'est un jeu que j'ai pas fait à l'époque. C'est pour ça que là, je l'ai acheté. Après, c'est... Voilà. Mais non, ça, les jeux où faut se balancer, c'est un truc. Je me suis fait la réflexion tout à l'heure. Je déteste ça. Parce que, pour une raison qui m'échappe, j'arrive toujours à bien me balancer. Et d'un seul coup, voilà, au moment où je décide de sauter, ça ne va jamais. Je ne sais pas pourquoi. Et ça m'énerve déjà. Voilà. Quand même. Donc c'est un jeu qui était sorti sur Wii à l'époque et qui ressort donc là sur Switch. Alors la seule chose qu'ils ont fait, c'est un lissage. Hein, ouais, attention. Alors, le bouclier c'est pareil, je galère encore un peu. Mettre des combos à celle-là, visiblement. Ok. Un cube de la déesse. Ok. Bon, cette vidéo, je vais vous faire des... pas mal de cuts. Le but, là, c'est de se faire... c'est de faire je sais pas, il y a un temple normalement après, peut-être qu'on va on va le faire. Voilà mon petit pote, suffit de demander. Observer un petit peu. Ah. Je crois que je tiens quelque chose. La porte s'ouvre. Eh bien, rentrons, et on va bien voir ce que ça donne. Le but de cette vidéo, effectivement, c'est pas vraiment une découverte, même si je découvre le jeu, mais on n'est pas au début du jeu, mais on n'est pas non plus... le but, c'est pas de vous spoiler un truc avancé non plus. C'est le premier vrai temple que je vais visiter. Mais parce qu'on va dire que les deux premières heures de jeu sont... un petit peu, voilà, gnangnan, un petit peu chiante, il n'y a pas grand chose à montrer, donc on est dans le village du début. On monte dans ce temple, il m'est impossible d'isoler celle de Dame Zelda pour la localiser. Je ne pourrais donc pas être la fonction de détection dans cette zone.
Oui, parce que on peut utiliser elle pour détecter l'âme, entre guillemets, on va dire, de certaines personnes et de certaines choses. Ce qui peut être particulièrement pratique. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je rentre ici, je vais faire une sauvegarde. En plus, comme ça, vous voyez l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. On va commencer que là tout de suite, il y a une foutue chauve-souris qui va me prendre la tête. J'ai vu un truc s'afficher. Parfois j'ai un peu de mal à donner certains coups encore. C'est un petit peu compliqué. Je trouve que c'est un petit peu hasardeux ce gameplay de l'épée là. C'est intéressant parce que du coup il y a des ennemis qui donnent des coups, enfin auxquels faut mettre des coups à l'horizontale, d'autres à la verticale. Voilà. Donc c'est assez. Merde, assez intéressant à ce niveau-là, mais parfois je trouve que c'est un petit peu trop hasardeux. Donc voilà, j'aurais préféré. Mais après, bon, le gameplay du jeu est fait comme ça à la base. Donc, bon. Bon, voilà. Ça y est, c'est fait. Alors en fait, il suffisait de faire une spirale comme ça, en gros. Et l'œil, voilà. Au bout d'un moment, j'ai fait ça. J'ai regardé un petit peu autour de moi. Je me suis dit, allez, j'ai pas essayé ça, on va le faire. Voilà, attention à ces merdes là. La caméra un peu chiante là. Il est tombé où? Il est mort? Ah non. Il est mort. Bon. Je voudrais bien faire une vidéo quand même pas trop longue où on voit quand même des trucs. Donc, on va quand même essayer de se dépêcher un petit peu, d'avancer. Ce serait pas mal. Là, qu'est-ce qu'on a? Ok, les portes sont fermées. Les portes sont toutes fermées. Celle-là aussi. Donc là, on va passer par là. On est sûr d'une chose, hein, c'est que ce temple il est censé nous mener à Zelda, mais oh là là. Normalement, ils sont censés faire. Elles sont censées se retourner à un moment. C'est comme elles étaient avant, les sculptures, c'est comment s'appelait les sculptures d'or, c'était. Merde! Ah putain. Bordel.
L'un est en haut, l'autre est en bas. Ok. Maintenant, il y a de l'eau aussi. Ça me paraît. Ah oui, il est là. Voilà. Bon. Et j'ai jamais galéré comme ça pour des sculptures là. C'est abusé. Hop. Allez, on va rentrer dans cette pièce. Je vais avoir du boulot sur le montage, hein. Terminé. Ça va même pas suffire à la tuer en plus. Oh merde! En plus maintenant elle va venir me faire chier. Ah putain. Il y avait une tablette à dire en bas. Bon, on va se casser. Il donne rien, c'est foutu champignon. On arrive là. Ok. Ça va être quoi, une carte, une boussole? Ouais. Toc. Donc, on va faire monter encore l'eau. Ok. Ça va me donner accès à des nouvelles pièces. Donc, je vais retourner par là. On va remonter par là. Avant de quitter. Ah bah regardez. Merde. Allez. Non, ça, j'ai beaucoup trop de mal à le faire, ça. Allez. Allez, voilà. Y a un truc que j'ai beaucoup de mal à faire. Voilà, faut faire ça à chaque fois, visiblement. Et les deux yeux, ça les rend fous. Bon, j'étais en train de vous dire, on va s'arrêter là, mais finalement, j'ai envie de continuer. Tant pis, cette vidéo va être assez longue, c'est pas grave. Toudoudoudou. Une petite clé. Bon,
Bon, qu'est-ce qu'on fait? Hop. Bon, allez, on fait le choix d'y aller direct. Je sais pas si c'était vraiment la meilleure chose à faire, mais bon. Oula, attention. Ah si, il perd des morceaux. Ah, c'était pas mal. Non, franchement, c'était pas mal comme petit combat. Parfois, d'avoir un ennemi un petit peu plus costaud et un petit peu plus... Ok, c'est une sorte de drone. Ok. Faudra regarder dans les trous là, ce qu'il y a. Parce qu'il y a sûrement des choses intéressantes. Ils sont pas là pour rien, tous ces... Ok. Donc ce premier, il servait pas à grand chose. Mais après... Il y a une distance maximum, évidemment. Voilà, par exemple, à quoi il peut servir. Et puis moi je saute comme ça, je fais pas attention, je regarde pas. Ok, ça me permet de traverser. C'est pas mal. En fait, la vidéo, même avec les cuts, elle va être trop longue. Vraiment nul avec ces araignées. Allez. Où c'est vous, là, les petits machins? Allez, baisse-toi. Youp, on passe dans le trou. Et je devrais ressortir par là où je suis rentré. Ok. Allez. La vidéo, elle va durer des plombes. Allez. Cette fois, je l'ai. Merci. Alors, qu'est-ce qu'il ouvre, celui-là? Ah. Ça, c'est bien. Ça va pas vraiment me faire avancer. Par rapport
à l'aventure, mais là je peux pas le lancer entre les barreaux, on est bien d'accord. Tout cet argent. Cette fois, j'arrête vraiment. Je pense que je vous en ai montré assez. Là. Par là où on t'envoie, toi. Là, je sais pas si on va aller vraiment à l'endroit où je voudrais aller. Non, je suis pas sûr qu'il y ait grand chose par ici. Je crois que ça va juste sortir de l'autre côté. Là, on voit celui que j'ai déjà tapé. Bon, écoutez, on va s'arrêter là-dessus. On va s'arrêter là-dessus. En plus, je suis pas loin, hein, vraiment. Donc, je vous remercie. Il faut que je trouve la clé. Et je suis sûr que la clé, elle est dans la petite pièce. Je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous.